et d'ailleurs des Alpes ivoiriens qui vivent dans des... Emmanuel Bastide passant le témoin à Claire Edon. Deux quotidiennes, 7 milliards de voisins et priorité santé en boîte. Le premier magazine s'intéresse au mode de vie et le sujet, l'accès au logement. L'invité est le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. 71 chantiers lancés concomitamment, les logements sont en train de sortir. Et que les concitoyens soient indulgents, qu'ils comprennent que quand même, ça ne fait que 2 ans que ce programme a démarré après une longue crise. Réaction des spectateurs, questions du journaliste et réponse du ministre et de ses consultants. Le décor est planté. Le temps est vite passé, place à Claire Edon pour priorité santé. Mais avant, Juan Gomez, qui bouclera avec appel sur l'actualité, prend le pouls du public. Vous allez bien? Bon, je suis très content de revenir à Abidjan. Vous allez assister dans un instant à l'émission de priorité santé. Et dans la foulée, on va enregistrer appel sur l'actualité. On va vous donner la parole, évidemment. Vous allez pouvoir commenter l'actualité. Priorité santé, une émission bien prisée. Le thème aujourd'hui, la sexualité, une question qui intéresse. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que quand j'ai des relations sexuelles, pour le premier, il n'y a pas de souci, mais pour le deuxième, j'ai du mal à retrouver mon érection. Donc je suis venu à Priorité Santé pour poser cette question pour qu'on puisse parler. Trois magazines et plusieurs thématiques, RFI, pour ses 20 ans, passe au crible les préoccupations sociales à Abidjan durant 4 jours.